You tell the girl you love her? Hey, man, she's a witness to a crime. That's it. Yada, yada. You're attracted. She's not even my species, and I'm attracted. Allez, c'est parti, salut tout le monde, c'est TheFlerry42, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur l'Obscur Clan pour un nouveau commentaire. En tout cas, j'espère que ce commentaire vous fera plaisir, puisque aujourd'hui j'ai de grosses informations concernant Call of Duty Black Ops 3 et une arme qui va bientôt, prochainement en tout cas, arriver, en tout cas je l'espère. Tout d'abord, je vous présente le gameplay qui va être tout simplement une petite nucléaire express en solo. Donc vraiment, je remercie, ça a été réalisé, par Noisy, un gros GG à lui, n'hésitez pas à vous le féliciter dans les commentaires, en tout cas moi je le félicite. N'hésitez pas également à aller voir sa chaîne, il propose vraiment du très très bon contenu. Voilà, en tout cas je les félicite vraiment pour ce gameplay. Une petite nucléaire express en plus en solo à la Kuda sur la map Combine. Allez, bref, on rentre vivement dans les vifs du sujet. Tout simplement, je vais vous parler de la PPSH. Donc je vais vous parler simplement d'un joueur qui a découvert un... On peut dire ça comme ça, un petit easter egg. On sait pas si c'est un easter egg, si c'est un bug. On sait pas encore ce que c'est, mais en tout cas c'est probablement un easter egg qui peut arriver à certains joueurs, ou bien même un bug justement de la part du jeu. Donc il y a tout simplement un joueur comme vous et comme moi qui était tout simplement sur ses classes. En tout cas, je vous afficherai une petite vidéo à l'écran. C'est tout simplement une personne qui était sur ses classes, et juste en bas du nom VMP, vous allez voir dans la vidéo, c'était marqué Weapon PPSH Desk. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Moi pour l'instant j'ai pas plus d'informations à ce propos, mais ça veut probablement dire que la PPSH va justement faire son apparition sur le multijoueur. Il faut savoir une chose, c'est que la PPSH a déjà fait son retour dans le mode zombie, dans le troisième DLC de Black Ops 3. Donc dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Imaginez juste la PPSH mais alors en mode multijoueur. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que moi pour ma part j'y crois. Vraiment, on peut le voir en vidéo, cette personne là juste en bas du nom VMP, c'est marqué clairement Weapon PPSH Desk. Donc c'est pas possible que ce soit un montage vidéo. C'est vraiment, la vidéo a été prise, enfin excusez-moi, la vidéo n'est pas de bonne qualité, puisque la personne qui l'a faite a pris ça avec un téléphone ou un appareil de pas très bonne qualité. Moi, on voit vraiment, vraiment, vraiment que c'est marqué Weapon PPSH Desk. Donc si vous avez plus d'informations à ce propos, et si vous savez un peu plus ce que veut dire tout ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je lirai un peu tous les commentaires de l'Obscur Clan. Voilà, n'hésitez pas à commenter et également à me donner vos avis concernant justement ce petit easter egg, puisque moi pour moi c'est un petit easter egg. Après, ça peut être également un glitch, un bug, excusez-moi, mais de toute façon c'est simple, c'est soit un easter egg, soit un bug, parce que c'est pas possible que justement ce soit un montage. On voit vraiment sur la vidéo comment faire un montage comme ça, alors que, enfin, faut vraiment être très fort en montage pour faire un truc comme ça. Moi perso j'y crois. En tout cas, dites-moi également vous si vous y croyez dans les commentaires, si vous pensez que c'est un bug également, ou si ça ou si c'est voilà, vous dites moi ce que vous pensez dans les commentaires, si c'est un easter egg ou bien un bug, et pourquoi pas, on sait jamais si ça vous l'a déjà fait. En tout cas moi ça m'a jamais fait ça, et vraiment j'y ai pas trop cru au début, mais vraiment quand j'ai regardé la vidéo en elle-même, la vidéo dure pas longtemps, vous allez voir, je la mettrai également dans la description, normalement vous l'avez vu sur la vidéo. Juste avant de regarder la vidéo, moi j'y croyais pas, perso j'y croyais pas trop. Après j'étais un peu en doute, et quand j'ai regardé la vidéo, là j'ai vraiment cru, puisqu'on voit clairement Weapon PPSH Desk. Donc ça peut arriver, c'est des trucs qui arrivent, des bugs de Call of Duty des fois. Moi je pense ça peut être un bug, puisque si ça serait un easter egg, je pense que ça serait pour tout le monde. Un easter egg, c'est quelque chose qui va pas arriver qu'à une personne. Moi je vais plus me porter vers le bug justement du Call of Duty, puisque si ça serait un easter egg, je pense que ça serait fait pour tout le monde. Et si ça serait un bug, là à ce moment-là, ça peut arriver à une personne de temps en temps. Je sais pas si cette personne-là, ça lui marque tout le temps, mais en tout cas, ça lui marque que c'était la première fois, en tout cas, je pense que c'était un bug. Mais en tout cas, il faut savoir une chose, c'est que si c'est un bug, eh bien, on a découvert tout simplement, en quelque sorte, que la PPSH va faire son retour sur le multijoueur de Black Ops 3. Et franchement, 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 j'espère vraiment que cette PPSH va faire son retour. En tout cas c'est pas tout, même si elle fait son retour, je pense qu'on devrait l'obtenir dans les largages de ravitaillement, et moi avec ma chance je pense pas que je l'aurai. En tout cas voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis, c'est super important. En tout cas moi je suis très content si elle revient sur le multijoueur. En tout cas je pense qu'elle va pas tarder, puisque si c'est un bug de la part de Triarch tout simplement, eh bien c'est qu'ils ont pas mis ça pour rien, c'est un bug qui a apparu, et je pense que ça veut dire tout simplement que
elle va bientôt arriver. Et en tout cas, il faut savoir une chose, c'est que la patience, c'est super important. Donc on va attendre un peu et on va voir si elle arrive. Et en tout cas, j'espère en tout cas qu'elle va arriver. Et vous allez voir que sur cette vidéo, je me trompe pas, c'est effectivement, je pense, un petit bug de la part de Triarch et qui a fait découvrir simplement que la PPSH va faire son retour dans le multijoueur. Comme je vous l'ai dit, pour les personnes qui ne le savent pas, la PPSH a déjà fait son retour dans le mode zombie, dans le troisième DLC de Black Ops 3. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle va faire son retour dans le multijoueur. J'ai plus rien à ajouter sur cette vidéo. N'hésitez pas à féliciter le player dans les commentaires. N'hésitez pas également à aller voir sa chaîne et pourquoi pas aller voir la mienne et vous abonner si le contenu vous plaît et si les commentaires vous plaisent. En tout cas, si vous voulez d'autres types de commentaires, n'hésitez surtout pas à aller voir ma chaîne. Sur ma chaîne, je propose du Call of Duty. Bref, c'est pas le sujet. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. C'était The Fleury. Bye.